Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RFCA41, je bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette journée de Liga Santander. Pierre Ménès vient de me rejoindre. À l'occasion de cette rencontre, nous allons sur le FC Séville face à l'Atlético Madrid. Pierre, que pense-tu de ce stade? Je l'ai pris. Allez, 57 000. C'est vraiment à 500 points. C'est 57 500. Très chaud. Et une rencontre avec le FC Séville. Comme il l'a avoué, les joueurs sont loin de leurs objectifs de début de saison. Leur résultat leur barre pour l'instant la route de l'Euroligue. L'Atlético Madrid qui a eu un parcours incroyable en C1 en 2016, qui a éliminé successivement le Barça et le Bayern avant d'échouer en finale face au Real. Ouais, et tout le monde a éliminé quasiment les deux meilleures équipes d'Europe pour avoir 25% de possession de balle, mais ça c'est le style Simeone. C'est le 11 de départ retenu par l'entraîneur du FC Séville. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atlético Madrid. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le match qui débute avec l'engagement donné par le FC Séville. Jesús Navas. Peut-être une bonne opportunité, attention. Dabi. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. La touche sera pour l'Atlético Madrid. Philippe Ruiz. Franco Vasquez. Escudero. Peut-être une bonne occasion. Jesús Navas. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Wissam Ben Yedder. Saoul. Gabi. On s'approche du but. Qui a bien joué sur cette action. En jeu de peu, mais en jeu. Escudero. Joaquín Correa. Ndenzi. Jesús Navas. Pizarro. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, il a pris l'information, il a dit qu'il avait du soutien. La frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Assurer cette passe finalement. Pablo Sarabia.
Là, cette tête, qu'est-ce que c'est mal exploité. La trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Gabi, Saoul, ça part bien, action dangereuse. Franco Vasquez, Escudero. Ah, le ballon qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand chose. Ouais, la frappe. Enquête, plongeon superbe. Gabi. Un bon ballon d'attaque. Ça n'ira pas plus loin. Ok. Un joueur qui se fait prendre sur le côté. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. Ndondi. L'attaque enrayée par la défense. Ah oui, Koki. Yes, ball, c'est une balle de but, ça. Pizarro. Pablo Sarabia. Il s'avance vers la surface. Jesús Navas. Pas mal quand même. Diego Costa. On s'approche de la zone de vérité. Antoine Griezmann, signalé hors jeu. Jesús Navas. Franco Vasquez. Pizarro. Les 30 derniers mètres. Allez, ça sort, ce sera un corner. Et on revoit la somptueuse intervention du gardien. Ouais, il fallait la sortir celle-là. On a bien tiré. Franco Vasquez. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Il est là pour récupérer ce ballon. Un coup franc contre le FC Séville. Ce ballon, mais le danger est écarté. Ndondi. Franco Vasquez. Escudero. Ah, il lui redonne. Ah, corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ok. Philippe Ruiz. Ah, bonne transmission.
Attention, il a du champ devant lui. Philippe Luis. Diego Costa. Gabi. Griezmann. Le centre vers ses coéquipiers. Saoul. Philippe Luis. On s'approche du but. Et coup franc, ouais, coup franc. Dégagé. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Les visiteurs et la bonne défense qui tiennent le choc de cette première période. Pas de but en 45 minutes. Jusqu'ici, la défense est fidèle à sa réputation. Il ne manque plus que des buts à cette rencontre pour la rendre encore plus intéressante. C'est reparti avec le ballon pour l'Atlético de Madrid. Peut-être une bonne opportunité, attention. La passe est interceptée. Je crois qu'il n'y a rien. Non, elle est interceptée cette passe. Griezmann, il va devenir dangereux. Philippe Luis. Antoine Griezmann. Diego Costa qui tire. Oh oui, joli, bien joué le gardien. Ce sera un corner pour l'Atlético de Madrid. Par Coquet, on essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brillant tout ça. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Franco Vasquez. Ah, bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile. Et ce ballon qui est perdu. Franco Vasquez. Et voilà, il y a l'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, il gagne plus, ça se montre plus entreprenant. C'est logique. Je vais se apprécier le ralenti sur ce but. C'est Séville qui va tenter de placer une attaque.
Buffon, il va tout anticiper. Antoine Griezmann qui continue. La frappe de Griezmann. Et un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Ah, la bonne qualité de ses passes. Jesús Navas, il s'avance vers la surface. L'équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Peut-être pour le FC Séville. Allez, duel est gagné par le défenseur sur cette action. Les 20 dernières minutes à Madison. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Encore basket. Sébastien Corchia. Ah, l'attaque est enrayée. Gabi. Un ballon d'attaque. Et la passe est interceptée. Et un Oblak. Thomas. Gabi, on s'approche du but. C'est un ses partenaires. Un joueur bien placé. Avec un tir. Oh, la parade extraordinaire! Extraordinaire et décisive pour préserver ce but d'avance. Ça peut encore bouger, mais ça m'étonnerait qu'on revoie une occasion aussi nette dans ce match. Il y a peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Gabi. Ouais, la frappe. Aucun risque, hein, pris par le défenseur qui met ce ballon en touche. Thomas. Philippe Luis. Philippe Luis, pas mal ce centre. Ah, pas facile pour le gardien sur cette tête, mais c'est bien illustré. Ouais, il est impeccable, il se détend bien. Ouais, il est chaud, le gardien, déterminant pour son équipe. Encore 7 minutes à jouer. Un trop timide ce dégagement. Le danger reste imminent. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Pablo Sarabia. Ouais, c'est bien fait. Il a bien fait de ne pas se rater. On s'approche de la zone de vérité. L'égalisation au but peut-être. Interception. Allez, on est bien joué dans l'espace de la part de Diego Costa. Ah, je me demande pourquoi il a tenté quand même. L'angle était très fermé. Manque de lucidité quand même, il y avait mieux à faire. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. C'est Séville qui a tenté de placer une attaque. Ouais, Ben Yedder. On s'est passé tout près sur cette action. Oui, on peut dire qu'on a gâché une balle. Il
intéressante là. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le pire se passe. Et ce match qui se termine donc à l'instant même. À une belle victoire qui doit beaucoup à la prestation défensive hein, de l'équipe. Ce ballon qui est perdu. Franco Vasquez.